mon serrate. Oh. Aïe. Pourquoi je me fais mal? À chaque vidéo je me fais mal, c'est terrible. Bon, on va le laisser là le vélo. Quatre Serrayton, aujourd'hui les gars, on se retrouve parce qu'on va faire une vidéo qui va être un peu différente de l'habitude. Objectif, dormir dans le frigo. Putain, il est vide mec. Il est vide. Comme mon esprit. Non, vous avez vu le titre, aujourd'hui on va se taper un défi de bouffe. Parce que vous savez que moi j'ai tout le temps la dalle. Donc aujourd'hui objectif c'est de faire ce que tous les étudiants ont déjà pensé une fois. Là aujourd'hui cette vidéo les gars, elle est pour les étudiants. Il faut vraiment que vous compreniez quoi que cette vidéo est là pour... Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es un singe mec. Je suis un singe avec une grosse bite. Aujourd'hui objectif ça va être d'acheter des nouilles instantanées. Vous avez déjà vu ça dans les films, dans les supermarchés, dans votre bouche. Et aujourd'hui on va en acheter beaucoup. Quand je dis beaucoup, je veux dire vraiment beaucoup. C'est bon là, arrête de chauffer mon mousse-gag. Mais c'est toi là, tu t'attires aussi. Et après, cuisiner tout tout. Putain, elle est vraiment au chaos avec cuisine. Oh là là. Au moins, vous pouvez lui dire, Ayton, c'est un youtubeur authentique parce qu'il range pas. Donc, objectif, ça va être cuisiner toutes les nouilles et essayer de tout manger. C'est les nouilles instantanées, c'est le truc le plus toxique. Ça coûte même pas 60 centimes. Tous les étudiants en ont mangé moins une fois. Genre, après, honnêtement, je pense pas réussir. Et si je réussis pas, c'est chill. Je pourrais en prendre, en donner à mon chien imaginaire. Les gars, ça va être tendu et j'espère que ce concept aussi utile que mes vidéos va vous plaire. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à activer la cloche, ça ferait ultra plaisir. Dans le nouvel appart, les gars, nouvelle vidéo, nouveau concept. Y'a plouf comme concept, mais bon, on avait pas de budget aujourd'hui. On commence la vidéo maintenant, on va acheter les nouilles. Alors, par contre, pour aller faire les courses, je vais prendre un sac LDLC. Comme ça, on foutra le seum à celui qui va me racketter. Genre, il va se dire, oh, le gars, il a un PC et tout. Et bah non, j'ai des grosses noodles. Les gars, c'est l'objectif, les gars. Et si on se fait racket, j'aurai le seum, mais c'est mieux de se faire racketter des nouilles qu'un PC, sans mentir. T'as des claquettes? Attends, montre. Mais non, mais ta mère, putain. Et les gars, y'a quand même un loquet, une serrure. Un deuxième lock. Et les gars, j'habite dans le Bronx ou j'habite à Paris là, les gars. Et c'est que même dans les chambres, hein, avant de dormir, je peux tout loquer. Là, je suis sûr qu'il y aura. Eh mec, j'ai envie de t'écraser. Ouais, chez Rayton du quartier, t'as capté. On est là, on casse le poisson pané. Là, c'est le rayon qu'il ne faut pas utiliser. Non, nous, on veut ce rayon-là, pas le rayon alcool. Ça, on te laisse ça à toi. Très piquant, genre, bah, du coup, saveur piquant. On dirait les gens qui font les soldes. Sauf que là, c'est des nouilles, mec. Et là, on en a pas mal ou non? Faut consommer. Là c'est bon gros. Ok, mais attends, il manque de la sauce piquante. J'aurais pas de sauce piquante, je vais pas crever gros, je suis trop jeune. Si si si, là là. Mais je suis jeune frère. Ça, taille, sauce. Et eh ben si tu casses tes couilles, on prend ta sauce piquante et go. Logiquement les gars, là on a au moins 1 kilo. Mais je mangerai jamais tout ça. Mec, on a vidé le rayon, c'est fini. On a acheté 30 paquets de noodles. Ah. Une sauce. La meuf à l'accueil, elle a fait. Ah vous avez faim? Ouais. Elle revient là, bâtard. Genre mec, on a vraiment vidé un rayon nul complet, c'est trop chum. T'as répondu à la caisse, ouais nous on est des ouf. Non j'ai fait, ouais j'ai un petit creux. Yolo les asticots. Maintenant les gars, on a du coup toutes les nouilles, jamais acheté autant de nouilles. Alors on est là, hein, écoutez. Là on pourrait carrément ouvrir notre propre stand de nouilles asiatiques et on serait un peu crédible. En fait je pense que là vous voyez ça, vous dites, ouais il n'a pas beaucoup. Attendez qu'elle grossisse. C'est ce que j'ai dit à ma bite une fois, mais elle a jamais grossi. C'est comme une plante. Quand tu plantes la graine, il faut que ça germe et tout. Et puis un jour, ça devient un monstre un peu dégoûtant. Moi, tu vois, je me suis fait planter dans ma mère, tu vois. Et quand je suis sorti, elle a fait merde. Un bouffeur de noodles là, de nude. J'adore les nudes. Je bouffe des nudes. Oh, elle aurait dû t'avaler, hein. C'est parce que ta mère, elle fait des trucs chelous que moi, ma mère doit aussi en faire. Ma mère, c'est une femme respectable. Elle a eu des études. Elle a eu une éducation. La sauce piquante coûtait 1000 fois plus cher que tout ça. Attends, mais c'est que là, on va devoir les faire cuire. On dirait les gens qui dorment avec leur billet, sauf que toi, tu dors avec des nouilles. On va faire comme les rappeurs. Allez, money. Tu sais, il faut comme ça. Donc les gars, maintenant, on va devoir cuisiner. Les nouilles, c'est le plat des étudiants, c'est le plat le plus simple à faire. Vous avez besoin d'eau. Je n'ai pas fait la vaisselle, je vous emmerde. Nous avons besoin de casseroles. Je chante comme une casserole. Sauce piquante qui est là. On dirait pas la même couleur que son bonnet. Presque. Parce que je suis trop chaud, gros. Moi, je suis piquant. Il y a les tismes sucrés, il y a les blancs, blanco, et moi, je suis le picante, tu comprends? Ouais, la deuxième casserole. Oh, merde. Il y a encore des pâtes dedans. Ça veut dire qu'on a qu'une seule casserole. Vous vous dites, ouais, Rayton, il s'est cuisiné. Hier, j'ai fait quoi des pâtes? Genre, du coup, j'ai des pâtes et là, j'ai mangé des pâtes. En fait, mon corps est à 99% de pâtes. Décollage de la fusée. Maintenant, imitation du cri du koala en un cri. C'est pas ça le cri d'un koala. Genre, c'est quoi? Vas-y, imite le cri d'un koala. Koala, koala. C'est raciste. Allez, on va déballer les nouilles. Ça veut le poulet. Il y a totalement
Attends frère, saveur poulet, est-ce que tu vois du poulet sur la... Mec regarde. C'est plus Pokémon Destiny Radieuse, c'est Pokémon Nouilles Radieuses mec. J'avoue, j'espère qu'on va avoir le Draco Feu Shiny. C'est Raiden la marche Pokémon aujourd'hui, on se retrouve pour des nouvelles nouilles. Ah mais c'est ça qu'ils appellent la saveur poulet. Ah mais c'est ça la sauce supplémentaire dont... On dirait large une capote. Capote goût poulet. Je vais dans un amas au fond de ma casserole. Bob l'éponge, la nouille. C'est vraiment triste. Mais mec, c'est saveur cuit. Mais mec, c'est la même photo sur tous les trucs. Saveur crevette. Oh putain. Mais tu sais qu'il faut faire chauffer l'eau avant de les mettre dedans. C'est quoi, tu me donnes des conseils en cuisine? Moi, j'ai un restaurant. Il a fermé jour 1. Bah, ça se comprend pourquoi il a fermé, mec, regarde! Je peux pas comprendre ma passion pour les nouilles. Mec, moi, je les mange crues. Ah, attends, c'est quoi, je vais tenter. Oh putain, mais les gars. Je vais tenter une fois d'en manger une crue. Bah, c'est bon. Non, ah, ouais, c'est cool. Mais mec, c'est pas une cracotte, putain. Mais c'est incroyable en vrai. Pourquoi faire réchauffer et vous les manger comme ça? Mais mec, En vrai? Pas mal, je vais goûter pour voir si c'est différent. Mais... C'est exactement la même chose hein. Genre, je vois pas où est la crevette. Ah merde, mais je l'ai pas allumé je crois. Si, c'est bon. Cauchemar en cuisine. Ok les gars, bah y'a plus qu'à attendre hein. Attends, regardez, là il y en a 4 dans la casserole. Là vous vous dites, c'est déjà beaucoup, regardez derrière vous. On commence à cuisiner, il est environ 16h. Donc déjà le repas, on l'a niqué. Et je pense qu'en vrai on aura fini ce soir à minuit. Au pire, et en vrai si j'arrive pas à tout manger, j'invite tous les voisins, on fait une grosse fête. Une nouvelle partie. Cet enfant est mort, salut. Même en étant par terre complètement mort, t'as du flou. Ah ouais? Ouais. Ouais, je dis ça pour te faire plaisir. Mais pourquoi tu regardes mon zizi là? Mais frère, t'as mis un jogging gris. Et alors? On voit l'ombrage. Tous les mecs qui mettent des jogging gris, c'est pour pécho, tout le monde le sait. T'essaies de me pécho? C'est pour mon petit fiac. Eh, baisse les yeux. Alerte rouge, les gars! Y'a l'eau qui est en train de partir en couille. Y'a une alerte rouge. En gros, y'a tout qui a commencé à brûler. Regardez, c'est devenu pâle. Comme lui. Oh mec, on a fait de la merde, on a fait de la merde. Ok Glo, tu veux toucher mes nouilles? Regarde. Oh, mais attends, mais là y'a que 4 paquets de vide hein. Mec, c'est que 4 paquets. Là y'a l'autre qui est en train de cuire, on a niqué les plaques. Eh frère, je vais en donner à tout le monde, j'espère que je serai invité à la fête des bons voisins. Parce que je vais les nourrir pendant au moins 5 ans. La meuf au supermarché, elle avait raison de croire qu'on était des bouffons. Hein. On est des gros bouffons, on est des bouffons. Mec, attends, il va y avoir une montagne de nouilles là. En plus, j'ai même pas de passoire, on fait vraiment ça, genre en mode survivor. Eh les gars, s'abuser, on est sur la deuxième fournée. Là y'a la première. Y'a trop, on ouvre des cartes Pokémon. Sauf que à la base des cartes Pokémon, nous on a testé avec genre pour l'instant 150 paquets, il y a que des nouilles. Genre quand on déballe des nouilles, il y a des nouilles. On n'a pas le drac au feu. Quand même, on sait pas cuisiner des nouilles hein. Le truc le plus basique, tu sais que même mon petit frère il sait le faire. Et pourtant mon petit frère, il est même pas encore né. J'ai voulu mettre les nouilles sur la table sauf qu'il y a eu un problème, regarde-toi. Putain mais gros, mais t'es fini à la pisse, mais c'est pas possible, t'es fini à la nouille. Eh hey, mais toi, je vais te tuer. Non mais là mec, t'as nourri les cafards. Eh hey, gros, t'as l'air désespéré parce que nous avons fini. Les gars, on a fini les pâtes. Donc là il y a toutes les je sais pas comment dire, sauces bizarres. Eh hey, mec, ça a l'air toxique hein. Ouais bah ouais hein. Clairement mec, on dirait juste de la poussière. On a tout ça de plat de pâtes. En vrai, ça va être tog à manger. Tu mets tes mains là, ta main ça devient un steak. T'as vu, je vais retourner tout. Là l'objectif c'est que c'est la sauce piquante, on va la mettre dans les deux plats. Et bon, après bon, on va rajouter ça. T'aimes ça les choses, ça va, t'as léché pire dans ta vie. Là c'est un mélange de bœuf, de crevettes, de piment et de poulet. Ah c'est particulier. Quand t'as pas envie de dire qu'un truc est dégueulasse, tu dis c'est particulier. T'as des goûts très particuliers. Par contre c'est très très épicé, est-ce que tu peux aller me chercher un verre d'eau s'il te plaît? Ah. Eh franchement j'en ai marre de moi. Pourquoi j'ai des... Eh ce matin en plus, franchement je l'ai appelé. Je lui ai dit eh gros viens on bouffe des nouilles, il a pas capté. Je suis un créateur de contenu indépendant. Comment on mélange après? On mélange pas. J'ai même pas encore mangé, j'ai déjà une indigestion. Moi gros, je sais que cuisiner des pâtes. Donc là écoute, je te laisse m'apâter. C'est drôle. Bleh. Première bouchée pour moi. Vas-y gros, allez. On dirait un buffle. On dirait un petit cochon. Alors? Attends, attends. De toute façon, les gars, on mange des pâtes, patati patata. T'as l'air tellement de souffrir, gros. Genre, hier, on a fait une vidéo, c'était dégustation restaurant 5 étoiles. Et quand on t'invite, c'est dégustation de nouilles, y a même pas d'étoiles. Là-dedans, là, c'est un zoo. Et gros, ça a l'air absolument dégueulasse. Pourquoi on fait ça, putain? Tu sais que ma grand-mère, des fois, elle regarde mes vidéos. Elle disait que j'étais marrant en vidéo et tout, mais elle disait que c'était un peu claqué, hein. Et il fait chaud, hein. En vrai, c'est super bon. Enfin, vraiment, premier degré dans le défi. Hein. J'y crois moyen, les gars. Tu sais quoi, je pense que mon corps après, il va être fait de 99% de pâtes. Je vais devenir monsieur pâtes. Nous, on fait tout à l'américaine, mais on fait pas les vues des Américains. Cette vidéo fera peut-être 10 000 vues, les Américains 900 millions. En vrai, c'est bon, hein. Les gars, on fait gagner ce qui reste de poussière. Donc, c'est un mélange d'un peu tout ce qui traîne chez moi. Poussière, cafard, sperme. Donc, les gars, honnêtement, moi, si vous voulez gagner, vous mettez un pouce bleu à cette vidéo, vous mettez un commentaire et vous dites je veux le sable et je vous envoie ça. On dirait trop, c'est le sable magique quand on est petit. C'est que change de couleur et tout. Attends. Ça va bien se passer.
Oh, mais vous suivez un mec comme ça, sérieusement, là? Là, on est en train de battre le record de YouTube. Parce que là, les gars, il y a genre 25-30 paquets. Genre, il y a un gars, il l'a fait, il en a mangé que 15. Donc là, on est largement au-dessus. On va tout manger, là. Bah, après, on est deux, donc. J'espère que je deviendrai plus intelligent après ça. Mec, moi, j'ai pas une dalle de ouf, hein, vraiment, hein, j'ai plus faim déjà. Au pire, je mange ta part. Les gars, est-ce que vous voyez quand vous allez chez votre grand-mère ou votre grand-père? Mais surtout la grand-mère, tu vois. Mamie, désolé. Quand on va chez nos grands-parents, ils sont toujours trop déter pour nous faire à manger. Genre, même si t'as mangé très bien avant, t'as mangé ton meilleur Big Mac, ils s'en battent les couilles. Ils sont là pour te faire à manger jusqu'à ce que tu meurs. Et moi, le problème, c'est que moi, je pèse 50 kilos pour 1m90 parce qu'en gros, j'ai un problème dans l'estomac, je peux pas absorber les graisses. Donc après ça, je vais chier un truc de ouf. T'es déjà aux toilettes, putain, t'as pas tenu longtemps. Du coup, ce qui se passe, c'est que je me dis, là, en fait, c'est un peu comme aller chez mémé. Ça, c'est même une entrée pour mémé. En vrai, juste les faire les nuits, c'était un challenge. Parce qu'on avait même pas de passoire. Eh mais j'avoue, les tiennes, elles sont immondes. Le dieu des pattes contrôle mon esprit et mes pattes. Moi, quand je suis avec une meuf, souvent, elle se met à 4 pattes. C'était pas drôle, mais les gars, en même temps, j'essaye de combler le vide parce que clairement, manger, c'est pas le truc le plus amusant. Après, les gars, je vous rappelle, dans la dernière vidéo, on a mangé 200 nuggets. Hein. Donc là, en vrai, c'est chill. Ok, les gars, vous savez quoi? Juste pour le fun, voilà, on déballe un booster Pokémon. On en est là, les gars. Ça n'a aucun sens. Les vidéos de réalité n'ont vraiment plus aucun sens. Cut pour les Poké Amigo. En général, je déballe sous la chaîne gaming, mais là, Nick Zelly. Hein. Énergie plante. Il faudra manger une salade après ça. Putain, je vois pas, je crois que c'est Porygon, mais je vois pas. Lucky Energy. Des gants en cachemire. Un chien des glaces. Un autre chien, waf waf. Un petit lapin, un pénis de terre, Lucien, j'ai plus son nom, il est ultra cool. Et on termine avec une carte qui n'était pas du tout une ultra rare. Est-ce que je suis déçu? Oui. Par contre, je kiffe l'odeur des cartes, je sais pas pourquoi, genre vraiment, je kiffe. Moi, j'aime bien l'odeur de l'essence, du décathlon et des cartes Pokémon. Dites-moi les odeurs bizarres que vous aimez bien. Eh hey gros, j'ai tellement mangé de pâtes, j'en ai qui me sortent par les oreilles. Et au pire, viens, on va en donner aux gens. C'est pas chaud, genre, on va voir les gens dans la rue et on leur donne des pâtes. J'en ai marre des pâtes. Je vois que ça toute la journée. Mec, regarde ce qu'il y a. Ah, bâtard, tu manges des pâtes. Eh frère, on va avoir besoin d'aide, hein. Eh, je croyais que je saignais. Mais en fait, non, ça, c'est de la sauce. Oh, j'ai le goût de moi dans la bouche. Parce que vu que moi je mange que du sucre toute la journée, je bois que du café, j'ai le goût de sucre et de café. J'en veux plus là gros. Il y en a, ils mangent des trucs 5 étoiles et moi je mange des pâtes, donc ça me... Si la vidéo ne fait pas au moins 50 vues et elle n'a pas au moins 5 pouces bleus, et les pâtes je les vomis. 4 rivers. Mon bonnet était blanc, mais je suis tellement chaud, il est en train de devenir rouge. Donc c'est à 16h, mais on a cru que c'était le goûter ou quoi? Ok tout le monde, alors là du coup, je vais appeler Madiba et je vais demander de venir nous aider parce que là clairement on a trop de pâtes. On va la pâter. Oui, Madiba. Yo. On a besoin d'aide, est-ce que tu veux venir manger des pâtes? Oui. Oh mec, faut vraiment que tu nous aides, on a vraiment acheté genre quelques pâtes et genre j'ai plus trop faim. Aider à manger des pâtes, fini ma game, il reste 30 secondes et je démarre. Ok, t'es là dans combien de temps? Franchement, pour venir chez toi, ouais, c'est une petite demi-heure. Ok, donc dans 40 minutes environ, 30 minutes t'es là. Bah on va essayer de pas vomir en attendant, on t'attend. Vas-y, vas-y. Ok les gars, il y a Maddy qui va nous aider, c'est carré, c'est parfait. Là, je pense que je vais aller chier, bah, sûrement des pâtes, hein, écoute, parce qu'il y a un peu que ça dans mon estomac et dans mon être, actuellement. Je suis désolé, les gars, je suis en train de devenir beauf, mais j'ai des mauvaises fréquentations. En gros, Whisker, il a mis une musique, il n'arrive pas à l'éteindre, alors il a mis... Il a mis là-dedans. J'ai mis mon tel là-dedans, parce que mon tel il peut. Eh gros, toi, t'es un peu givré. Je sors les toilettes, bon, y a mieux comme transition. Les pâtes, elles sont arrivées comme ça dans ma bouche, et elles sont sorties comme ça. C'est triste. Oh putain, j'ai ravalé mon vomi. Ça te choque pas plus que ça? Regardez, ça c'est mon corps. Je vais te briser, frère. Là, c'est la petite pause digestion et je voulais vous montrer mon fond d'écran. C'est moi qui me fais agresser par un chien. Il y a pas mieux comme fond d'écran. Est-ce que tu veux finir mes pâtes parce que j'ai plus faim? Je préférais manger mon ukulélé que mes pâtes. Mec, t'en as encore dans le coin de la bouche. Hein. Je crois que les gens ils comprennent pas à quel point là actuellement ça fait une heure qu'on mange des pâtes, on est en train de désespérer. Aide-moi s'il te plaît, je peux plus bouger. Non, meurs en silence. Proba combien tu manges toute la sauce maintenant? Proba 1000. 1, 2, 3, 902. Mais vous êtes Madiba? Mais bonsoir! Madiba! Bonsoir. Eh, attendez, que pensez-vous monsieur Madiba de notre préparation de pâtes? Alors j'avais pas prévu de manger autant, bah j'ai un peu peur. Je pense que je vais juste goûter très simplement. T'as à faire peut-être 1h30 qu'on est en train de faire à manger. Et moi j'ai mal au bide. Lui, mal au bide, il est en train de crever, donc toi tu pars en remplaçant, c'est comme un match de foot, toi tu pars en remplaçant, c'est parti. Ok, c'est parti, go 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 go. Tu vas voir, c'est des pâtes aux pâtes. C'est un accompagnement italien, une fusion asiatique. Mamma mia, ma cabello. C'est raciste ça. C'est très goûteux. C'est à l'eau et à l'air. Les gars, ça fait une heure qu'on est en train de manger des pâtes, j'en ai marre des pâtes, je veux mourir. Cette vidéo devient pathétique. Bon les gars, vous avez bientôt fini ou quoi?
Mais je sais pas, c'est quoi ici? Je ne veux plus de pâtes. Mec, je veux du riz. Pourquoi toute ma vie consiste à manger des pâtes? Je vois que ça, c'est horrible. Mais attendez, mais là, l'hécatombe, là, qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour des pâtes, les gars? 4 heures qu'on mange des pâtes. C'est sportif. Mais m'a dit, il arrive en cours de route, lui. Il est déjà mort. Toi, tu peux mettre un pouce bleu à la vidéo. Oh putain, merde, j'ai mon beat qui a fait un flop. Merci d'avoir laissé cette vidéo, les gars. Le défi est presque réussi. En vrai, je vous avoue, il en reste encore. On va la manger pour le dîner, on va pas gaspiller, c'est chill. Genre, vous en faites pas là-dessus, on n'est pas des psychopathes. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos de bouffe comme ça, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner, à activer la cloche pour rejoindre la communauté. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, les gars, on est beaucoup de YouTube. Instagram, ça commence à monter, il y a des petits concours qui arrivent comme ça. Donc, n'hésitez pas, les gars, à vous abonner sur mon ça, et oubliez pas de manger des pâtes et boire de l'eau. À plus mon Stereyton et ciao.